Bonjour à tous. Ce n'est pas sans une certaine émotion, une grande fierté et je dois vous l'avouer un peu de pression que j'ai l'honneur d'être le parrain de la promotion 2020-2021 des masters spécialisés de Centrale Supélec. Quand Céline Précy, la directrice de Centrale Supélec Exec, m'a proposé d'être le parrain de la promotion 2020-2021, je n'ai pas hésité une seule seconde et j'ai arboré mon plus beau sourire caché derrière un magnifique masque. Pour me présenter en quelques mots, alors moi je suis un grand passionné d'aéronautique. Depuis que je suis tout petit, je sais que je veux travailler dans l'aéronautique. Donc c'est donc pour ça que j'ai d'abord fait une première école d'ingénieur spécialisée dans l'aéronautique, de laquelle j'ai été diplômé en 2014. Par la suite, je suis donc venu, comme vous, faire un master spécialisé à Centrale Supélec. Et mon projet à l'époque était, après ce master spécialisé, d'intégrer soit un constructeur aéronautique, soit une compagnie aérienne pour faire de la maintenance ou de la production. Comme évidemment tout se passe comme prévu dans la vie, juste après Centrale, j'ai décidé d'intégrer un cabinet de conseil pour faire du conseil en grande distribution. Par la suite, j'ai rejoint Wavestone, cabinet où je suis actuellement depuis à peu près 5 ans. Et aujourd'hui, je suis consultant senior et je travaille principalement sur des grands programmes de transformation digitaux et humains. D'ailleurs, ce sera avec grand plaisir si vous avez des questions que je pourrai vous éclaircir autour de cette boîte noire que peut être parfois le conseil et qu'est-ce qui se cache derrière. Maintenant que les présentations sont faites, je vais vous parler en quelques mots de votre master spécialisé et ce qu'il va vous apporter. Mais avant tout, je voudrais vous féliciter d'avoir réussi à intégrer un des masters spécialisés et c'est la première réussite de votre année. Si vous êtes tous ici aujourd'hui, c'est que vous avez des parcours riches, des personnalités différentes, complémentaires et des profils divers les uns des autres. Et ce dernier point, c'est un point sur lequel je voudrais insister puisque c'est quelque chose que moi, Centrale Supélec, m'a beaucoup apporté. En effet, comme certains d'entre vous, avant d'intégrer Centrale Supélec, j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai donc passé 5 ans avec des ingénieurs qui pensaient comme moi, réfléchissaient comme moi, avaient les mêmes centres d'intérêt que moi, bref, des copier-coller. Quand je suis arrivé à Centrale Supélec, ma promo était composée d'ingénieurs en aéronautique, en agroalimentaire ou autre, de personnes issues d'écoles de commerce, de pharmaciens et même de militaires. Bon, un drôle de mélange, mais un mélange qui a plutôt bien fonctionné. Et c'est une des choses que j'ai principalement appris ici, c'est de travailler avec différents profils de divers horizons. Et aujourd'hui, ça, c'est une de mes forces, que ce soit dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle. À titre personnel, s'il y a une chose que je devais retenir de mon année, c'est que mon master spécialisé à Centrale Supélec m'a permis de découvrir un nouveau secteur, des nouveaux sujets, des nouvelles entreprises et surtout un nouveau métier. En effet, avant d'intégrer Centrale Supélec, je ne savais même pas ce qu'était le conseil. C'est les cours, les intervenants, les professeurs qui m'ont fait découvrir cet univers et qui m'ont donné envie de partir dans le conseil. Et ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis dans ce secteur et je n'ai jamais regretté mon changement. Hormis le fait que mon année m'ait ouvert de nouvelles portes, mon master spécialisé a été un réel accélérateur de carrière puisque très rapidement, j'ai pu prendre de nouvelles responsabilités dans mon entreprise, que ce soit des responsabilités opérationnelles, mais également dans le management. Cette situation est effrayante pour bien des aspects, mais sera également une opportunité pour être un réel accélérateur sur un certain nombre de sujets. Ça peut être le digital, les façons de travailler, les ressources humaines et plein d'autres. Et vos masters spécialisés vous donneront tous les outils, les réflexes, les clés qui vous permettront d'aborder ce nouveau monde qui nous attend. Si je devais vous donner quelques conseils pour votre année, je vous en donnerai 3 qui sont somme toute assez simples. Mon premier conseil serait profiter. Comme moi, vous avez la chance d'être ici aujourd'hui et de pouvoir suivre une année de master spécialisé. Alors profitez, vous allez faire de belles rencontres, vous allez acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences et surtout vous allez aussi passer beaucoup de bons moments. Mon deuxième conseil, c'est rester ouvert. Nous vivons dans un monde qui évolue vite, très vite. Alors tentez les choses, allez au bout des projets qui vous tiennent à cœur. Et mon dernier conseil, en toute simplicité, est foncez et croyez en vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Je vous souhaite à tous un excellent master spécialisé et évidemment, je serai toujours là à votre écoute, donc vous pourrez me contacter si vous avez des questions, besoin de conseils ou juste envie de discuter sur le monde professionnel. Je vous souhaite à tous une très belle année et merci de votre écoute.